Eh bien, bonjour à tous les amis, je suis PupUp, bienvenue pour ce nouveau vlog des boutiques Bricklink, Brickall et eBay de PupUp Bricks. Nouvelle semaine, nouvelle année, et là j'essaye un nouveau matériel. Du coup j'ai l'iPhone avec un Osmo, j'ai eu un nouvel iPhone pour Noël, et du coup j'ai envie de voir un peu si la qualité va être meilleure qu'avec la GoPro. Donc cette semaine je vais faire ça avec cet iPhone là, et on verra ce que ça donnera. Peut-être même que la semaine prochaine, je sais pas trop si les AirPods enregistrent ou pas, donc il faudra que je regarde. Peut-être que le son sera meilleur si je prends un AirPod. Mais bref, c'est parti du coup pour une nouvelle semaine de vlog. Et on commence par des montages que j'ai fait depuis 2 jours. Hier, j'ai monté mon premier set pour l'année. Je montais un peu tranquillement chez moi hier soir. J'ai monté le set Jurassic Park avec Dennis Nordy. Voilà, et le Dilophosaure, donc l'attaque, voilà. C'est assez cool, c'est assez sympathique. Et cet après-midi, on a fini de monter en live le Saint des Saints. Donc voilà, il est complet maintenant. Et c'est une belle pièce. Il ira à côté du Daily Bugle dans ma salle. Voilà pour ça. Ensuite, au niveau des commandes, j'ai 3 commandes qui vont partir demain. J'ai une première commande ici avec des briques et une plaque qui part en Norvège. Donc la Norvège, c'est un pays où je n'avais pas encore envoyé. Je sais parce que du coup, il y a des petites choses supplémentaires à faire. Il faut que je mette les papiers avec les factures et tout sur l'enveloppe pour la douane. Voilà. Ensuite, on a eu une commande ici avec pas mal de pièces également. Notamment des angles. Quelques petites pièces d'occasion. Tiens, j'ai pas mis les stickers d'occasion. Et une troisième commande avec des pneus principalement. 26 pneus qui partent avec quelques pièces et quelques pièces d'occasion également. Donc voilà pour ça. Bon, je sais pas trop comment ça va rendre du coup avec l'Osmo pour ça, mais bon, on verra bien. On va essayer toute la semaine et puis je regarderai moi les vidéos en fin de semaine, voir ce que ça donne. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 3 janvier et aujourd'hui, avant de faire ce que j'ai à faire, je vais préparer 2 autres commandes, puisque là je vais aller à la poste poster les lettres d'hier. Mais j'ai 2 commandes supplémentaires qui sont tombées, donc je vais en profiter, je vais les emmener en même temps. Comme ça, ce sera fait. Alors, dans les commandes, du coup, on va avoir une première commande ici avec notamment la dernière planche de stickers de la Nissan Skyline de Fast and Furious. Ce qui fait que j'ai plus de planche de stickers. C'est la première planche de stickers où j'arrive au bout de celle que j'ai. Donc, bah, cool, impeccable. Elle a bien été vendue celle-là. Avec des studs en plus. Ici, on a une commande assez grosse avec beaucoup de jaune, avec notamment des petites grenouilles qui partent. C'est marrant. Et surtout 10 coffres. 10 coffres, donc 5 en nougat et 5 en marron qui partent également. Donc, ça, c'est assez cool également, c'est une belle commande qui part. Également, pour vous prévenir, j'ai enlevé à peu près 280 pièces du magasin. C'est ce qui va me servir pour faire Skyline sur Jurassic Park. Donc voilà. Voilà pour l'instant, donc je vais préparer ça, emmener tout ça à la poste et puis on verra après ce qu'on fera. Alors c'est bon, ça y est, j'ai acheté tout ce que j'avais acheté. Et du coup, maintenant, je vais m'occuper de ce set-là. Ce set-là, c'est l'échiquier de Harry Potter que j'avais monté, qui était dans mon décor. Hein. Il était là, à côté des... Tant que j'apprenne à me servir de l'Osmo un peu mieux, était au niveau des merveilles. Voilà, j'avais acheté pas pour le set en lui-même, j'avais acheté pour pouvoir avoir la mini figurine de Rogue en doré qui faisait partie de la collection anniversaire des 20 ans de Harry Potter. Donc voilà, le but ça va être maintenant donc de le démonter, le nettoyer et de vendre les pièces et les mini figurines qui sont dedans, puisque voilà, elles m'intéressent. C'est pas un set qui m'intéresse spécialement et du coup je vais avoir besoin de place déjà et ça va permettre de mettre des pièces en vente dans le magasin. Voilà pour ça. Donc du coup je vais le démonter, je vais le mettre en machine parce qu'il y a un petit peu de poussière, donc pour le nettoyer complètement, et après on inventorisera tout ça et on le mettra en vente. Alors ça y est, j'ai tout séparé et comme vous m'avez demandé il n'y a pas si longtemps que ça de faire un tuto sur comment je nettoie mon occasion, et bah du coup je vais vous montrer ça en même temps aujourd'hui. Alors tout d'abord, les pièces, je les ai séparées, je les ai mises dans des sachets. Je vais les mettre ensuite dans un deuxième sachet par-dessus pour que si jamais j'ai un sachet qui perce, en fait, eh ben, du coup, ça ne rentre pas dans la machine. Enfin, tous les Legos ne tombent pas dans la machine. Donc voilà, je vais mettre ça dans un deuxième sachet et après, je vais mettre ça en machine. Alors, j'ai pas précisé, mais par contre, je garde les figurines à part. Je vais leur passer un coup dessus, mais elles sont pas sales et du coup, je préfère éviter qu'elles soient abîmées, rayées dans la machine. Donc ça, les mini-figurines, si je peux, j'évite. Ok, donc là on est au niveau de la machine, je mets les pièces après directement dedans une fois qu'il y a les doubles sachets.
Au niveau lessive, j'utilise de la lessive éco, pas besoin d'avoir une lessive qui coûte cher pour ça, c'est juste pour nettoyer les pièces. Et je vais partir sur un programme délicat pour la machine, pour éviter que l'essorage soit trop intensif et que ça abîme les pièces. Donc voilà. Délicat, du coup, ça va me faire un 400 tours minute à 30 degrés. Ce sera très bien, c'est plus pour rincer et nettoyer les pièces que pour... voilà, c'est pas des vêtements. Donc voilà pour ça, donc je vais lancer ça et puis on se retrouve après une fois que la machine sera faite. Ok, et une fois du coup que c'est lavé, je les pose comme ça sur une serviette pendant à peu près 2 heures et avec un ventilateur. Hop. Et du coup, pendant 2 heures à peu près, ça va sécher. Alors, enfin, j'ai juste la serviette parce que voilà. Mais voilà, pendant 2 heures à peu près de sèche et c'est comme ça du coup que je lave mes pièces d'occasion. Du coup, j'ai coupé ça pour l'instant. C'est comme ça que je lave mes pièces d'occasion. Et voilà, à peu près. Donc ça prend à peu près entre 3 et 4 heures pour nettoyer un lot complet entre le nettoyage et le séchage. Le démontage, nettoyage et séchage plutôt. Voilà, mais du coup, ça ce sera prêt. Et comme ça, demain, on pourra traiter ce set-là pour l'ajouter au lot d'occasion. Et on termine la journée du coup avec 2 nouvelles commandes qui vont partir demain matin en Colissimo. Une première ici avec beaucoup de feuillage qui partent. Donc pas mal, vraiment beaucoup de pièces. Bah, toutes mes pièces comme ça sont parties de toutes les couleurs. Donc c'est cool, merci. Et les murs, même le mur avec les glitters part comme ça. Impeccable. Ainsi que 5 mini figurines. Et une deuxième commande ici avec 6 mini figurines. Donc c'est quelqu'un que... Il m'a laissé un message sur YouTube pour me souhaiter une bonne année et qui m'a dit qu'il avait fait une commande. Donc, bah, merci beaucoup pour la commande. C'est cool. Et puis voilà, ça va partir tout ça demain matin. Puis voilà. Et voilà. Et il m'a demandé où est-ce que j'avais trouvé les plans pour la tour de lancement de la Saturn 5. Donc, ça, c'est sur Lego Rocket Collection que j'ai trouvé ça. Voilà, du coup, pour ça. Voilà, puis ça va être tout pour aujourd'hui. Du coup, je vais finir de préparer ces coïlas et les mettre dans la boîte aux lettres vu que ça part en Colissimo. C'est le facteur qui viendra les récupérer demain matin. Alors, nous sommes le jeudi 4 janvier aujourd'hui et aujourd'hui, on va continuer de travailler sur l'échiquier Harry Potter. Toutes les pièces sont prêtes, maintenant il n'y a plus qu'à tout retrier. Du coup, je vais retrier par lot et puis après ça, on verra ce qui va être consolidé de ce qui sera nouveau lot pour le magasin. Mais bon, on va commencer déjà par trier tout ça. Alors c'est bon, j'ai terminé du coup de retrier tous les lots. Voilà tout ce qu'il y a du coup dans ce set. Il y a pas mal de lots qui ont pas mal de quantités. Il y en a quelques-uns forcément qui ont des quantités à 1 vu qu'il n'y a qu'un seul set. Mais bon, c'est l'occasion, c'est pas grave du coup. Sur les 105 lots que comprennent ce set, il y en a 23 que j'ai déjà dans mon magasin d'occasion. Donc je vais commencer par consolider tout ça. Et ensuite, eh ben, écoutez, on mettra les autres en magasin. Ok, du coup, c'est bon, j'ai terminé le set. Donc, vous pouvez voir, le mur d'occasion avance, ça s'est bien rempli. Il reste de la place principalement dans le bas, j'avoue, j'avais pas franchi une PC aujourd'hui, donc j'ai pris plutôt dans le haut. Mais voilà, du coup, ça a avancé tranquillement. Pas de problème là-dessus. Voilà, impeccable. Et pour terminer les journées, j'ai piqué les 2, entre guillemets, commandes que j'ai à faire. Donc, la première, une commande avec une figurine du calendrier de l'avant Harry Potter. Plus quelques pièces qui partent, donc ça c'est cool. Et ensuite j'ai ces deux pots là. Ces deux pots là, c'est pour moi encore. Donc j'ai enlevé 855 pièces du magasin. Ça fait un bon petit nombre là, par contre, du coup de partie. Et ça va aller là-dedans, dans le set de l'extension du château de Poudlard. Donc le château de Poudlard, celui-là. Le but c'est de continuer de l'étendre. Donc voilà. J'ai repris un peu ce que j'avais dans mon magasin pour faire un petit point. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Je vais partir à des pièces et du coup, voilà. Ça m'amène à 41% de pièces pour le château de Poudlard de prise. Donc voilà. Deux pick-up-prick complets qui vont compléter le mock. Voilà. Et du coup, je vais continuer de le faire. Ce serait bien de le finir avant la fin de l'année. On va voir. On verra ce que ça donnera. Nous sommes vendredi aujourd'hui et aujourd'hui, je fais ça vite fait, j'ai 4 commandes à expédier. Une première avec pas mal de choses techniques qui partent. Une deuxième ici avec des requins, des coffres. Voilà, plein de choses sympathiques. Là, pas mal de pièces qui partent également avec une mini figurine. Et enfin, la dernière commande, j'ai tous mes Stormtroopers qui partent. Donc que ce soit la 501e ou ceux qui étaient dans le calendrier de l'avant, tout ça, ça part du coup. Voilà pour ça. Et également, j'ai reçu des bacs à nouveau parce que les autres étaient pleins. Donc voilà, ça c'est assez cool. Et bah, je vais m'occuper d'envoyer ça cet après-midi.
Alors, nous sommes samedi ce matin et aujourd'hui, vous pouvez voir, j'ai 4 commandes à expédier ce matin. Il faut que je les expédie assez vite, pour ça j'enregistre rapidement, pour que ça puisse tenir en boîte aux lettres avant que le facteur passe. Donc une première qui part en Belgique avec quelques tils. Ici, on a ensuite une Hermine Granger du calendrier de l'Avent de cette année. Ici, on a du Star Wars avec un droïde et un Luke de Hoth du calendrier de l'année dernière. Je suis surpris parce que c'est la deuxième fois que je vois une minifigue comme ça en une semaine, avec des choses notamment quoi faire un sabre laser et quelques pièces. Donc je sais pas s'il y a un nouveau mock qui est sorti pour celui-là, mais bon voilà. En tout cas, j'ai vendu tous mes exemplaires de cette figurine-là. Et enfin ici, une dernière commande avec quelques pièces techniques et une mini figurine de Star Wars d'occasion. Ok, désolé, il a fallu que je fasse un petit peu vite du coup sur le début de journée et hier, j'avais pas beaucoup de temps. Donc voilà, donc on va parler un petit peu. J'ai reçu aujourd'hui 10 sets, donc le prochain set que l'on va faire, dont on va faire le part-out. Il s'agit du set 71454 Dreams Easy and Bunny Shoes de Bunny. Voilà. J'ai acheté sur Carrefour, ils étaient en promo à 11 € le set, 11,50 € je crois le set, peut-être. Et du coup, voilà, il y a pas mal de pièces à l'intérieur. Et surtout, il a une valeur à x4, donc ça c'est cool. Un peu plus de x4, donc c'est un bonne valeur de partage. On fera ce set-là la semaine prochaine. Je n'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, puisque aujourd'hui je vais monter du coup le deuxième duo Stargate. Donc avec d'un côté le SGC et de l'autre côté Abydos. Donc voilà, je vais faire ça en live cet après-midi, donc je vous montrerai le résultat après coup. Mais voilà, du coup tranquillement. Voilà ce que j'ai eu à faire depuis un petit moment. J'ai reçu encore des commandes, donc c'est cool. La promo a l'air de bien marcher là en ce mois de janvier. Donc je suis content de ça. Très bien. Donc, je vais ranger ça et puis je vais partir en live du coup pour monter le Dio Stargate. Alors, en ce début d'après-midi, du coup, j'ai monté le mock Stargate et voilà à quoi ça ressemble. C'est très sympa, mine de rien. Je trouve assez bien fait. La porte est peut-être un petit poil large, mais sinon, c'est quand même un mock plutôt sympa à faire. 571 pièces, ça m'a pris à peu près une heure et demie à monter, un peu plus d'une heure et demie. Donc, voilà. Voilà donc pour ça, c'était cool. Et bah, ça va aller dans le décor avec les autres Stargate. Également cet après-midi, j'ai monté des nouveaux tiroirs. Donc ici, on a en bas des tiroirs supplémentaires pour la colonne 1, ce qui fait que toutes les colonnes ont 7 racks maintenant de haut. Donc on va pouvoir passer à la suite, donc qui sera de passer à 10 racks de hauteur. On commencera par le fond comme la dernière fois. Donc le 7, ça va monter assez haut, ça va monter quasiment au plafond. Pas tout à fait, mais voilà, on devrait être plutôt pas mal. Et également, par là, j'ai ajouté des grands tiroirs. Donc j'ai 3 racks de tiroirs qui sont là. Donc voilà, ça m'a pris à peu près une heure à faire l'installation des 5 tiroirs supplémentaires. Alors malheureusement, j'en ai un comme ça qui est arrivé cassé. Donc, il faudra que je le renvoie à Amazon, mais c'est pas grave, j'en avais un d'avance. Donc, heureusement, ça m'a permis de pouvoir installer ça. Donc voilà, on a un petit peu d'avance maintenant pour les 7, les partouts suivants. Alors, nous sommes dimanche aujourd'hui et on termine la semaine avec beaucoup de commandes à pic aujourd'hui. C'est cool, des grosses commandes aussi. Et du coup, je pense que j'ai fait mon meilleur week-end ce week-end. Depuis que j'ai ouvert le store, donc c'est cool. Je sais pas trop si c'est dû à la promo, sans doute que ça aide, mais il faudra que je vois sur les vlogs, notamment des stores américains et anglais, voir s'ils ont à peu près la même chose ou si c'est juste la promo qui fait ça. Mais en tout cas, voilà, on a eu pas mal de commandes ce week-end, des grosses comme des petites. Hein, on commence avec une petite ici avec juste des tiges rondes et tout qui partent, ça c'est cool. Une petite là également avec notamment des trucs de Ninjago, des armes Ninjago qui partent pas souvent. Ensuite ici pas mal de briques et tout ça, c'est assez grand, ça part également. Là on commence à dépasser les 500 pièces pour celle-ci qui part, donc cool, pas mal d'assortiment. Ma plus grosse commande du week-end avec 1000 pièces je crois, alors je sais plus exactement le nombre de pièces, j'ai plus en tête. Mais voilà, ça a pris beaucoup de temps à faire parce qu'il y a beaucoup de lot sur celle-là. Voilà, au niveau des commandes préparées, j'ai aussi celle-ci, mais c'est pour un collègue d'association, donc je lui amènerai dans 15 jours, donc elle va rester là un petit moment, je vais l'impacter sans doute demain, mais c'est pas urgent. Et enfin, j'ai une commande ici avec plein de mini-figurines, sauf qu'il m'en manque une. Il m'en manque une qui n'était pas à l'emplacement prévu, donc je vais voir, a priori, c'est un Batman qui manque, qui vient
du set avec l'attaque avec le pingouin, donc la Batmobile qu'on a partot il y a quelques temps de ça. Normalement il m'en restait un et j'arrive pas à le retrouver, donc ça embête un petit peu. Peut-être qu'il faudra que je refasse tous les trucs pour ça. Mais c'est pas grave, du coup je vais aller racheter le set demain, il est dispo pas loin de chez moi, pas trop cher, donc je vais aller racheter le set demain et comme ça je compléterai la commande qui partira du coup un petit peu plus tard, je vais la garder une journée de plus, histoire de la préparer. Mais voilà, donc je vais faire ça normalement demain. Voilà pour ça, du coup j'ai pas fait beaucoup de choses en plus. J'avais commencé à trier les cartes du set 17 pour le set Final Fantasy. Elles sont triées par couleur, on continuera ça en début de semaine prochaine également. Mais là j'étais bien occupé hein, depuis toutes les commandes et tout, là j'en ai eu pour quasiment 3 heures. Ouais, bonne journée là. Bonne journée, je pense qu'il est même lundi maintenant quand je termine ça. Mais voilà, c'est fait. Faut encore que j'empacte et du coup ça partira demain matin. En fait, comme demain matin je vais partir tôt, j'aimerais bien finir de les préparer, comme ça je les embarque avec moi et je les poste demain matin en partant. Il y a beaucoup de mondial relais là notamment, donc faut que je passe au locker pour déposer tout ça. Mais voilà du coup pour ça. Ok, juste une petite mise à jour pour vous dire que j'ai trouvé la minifiguride qui me manquait, donc c'est bon, ça complète toute cette commande là. Qui est ici, pardon, un petit peu mal, j'ai juste pris le téléphone parce qu'il est tard, donc je vais vite fait l'empaqueter, la préparer pour demain. Il y a dedans 30 kilos, c'est quasiment que des mini-figurines, et il y a juste un polybag, sinon tout le reste c'est que des mini-figurines, donc voilà, c'est assez cool. Une bonne commande qui est tombée, et du coup je vais l'empaqueter pour qu'elle parte demain également. Et du coup, pour terminer cette semaine, le petit bilan comme à chaque fois, 23 commandes cette semaine, donc beaucoup de commandes, alors sachant que ça prend les deux miennes, hein, donc 21 commandes plus réellement, 4000 pièces de vendues, voilà, c'est plutôt très bien, du noir principalement, il y a eu quand même une cinquantaine de mini-figurines de vendues, donc voilà, je pense que la promo qui est en cours actuellement sur ce début d'année marche plutôt bien, donc ça c'est cool, je suis super content là-dessus, ça se passe... plutôt bien ce début d'année pour le magasin, du coup. On a vendu 15 commandes sur Bricklink, 8 sur Bricole, 3500 pièces neuves, 500 d'occasion. Voilà, en gros, on est content. On est content, on a un bon drop là dans le nombre d'items. Voilà, j'espère que ça va continuer. Plusieurs choses du coup avant de vous quitter, pour vous dire que, pour vous rappeler qu'il y a le giveaway des 500 abonnés qui est actuellement en cours sur... la chaîne, donc n'hésitez pas à y participer, vous avez jusqu'à dimanche soir pour y participer, je ferai le tirage au sort lundi prochain et vous aurez le résultat sur le vlog de la semaine prochaine. Voilà, pour ce qui est sinon de la partie technique de cette semaine, vous avez pu voir avec l'iPhone, c'est pas fou, j'ai pas trop aimé avoir à monter l'Osmo à chaque fois pour chaque segment, donc je vais reprendre la GoPro. En plus, le format vidéo sur lequel enregistre l'iPhone, comme vous avez pu le voir pendant l'épisode, la colorimétrie est pas folle. Après, je maîtrise pas assez encore le logiciel pour remodifier la colorimétrie et ça va me prendre beaucoup de temps pour grand chose. Donc voilà, je vais plutôt repartir sur la GoPro pour l'instant et si à un moment ça se passe bien, bah j'achèterai peut-être une GoPro un peu plus récente, on va dire, une black. Là, c'est une grise, une 7 grise que j'ai, donc ça commence à dater un petit peu. Mais bon, elle fait le boulot, hein, donc c'est pas le problème. Voilà. Donc on verra bien pour ça. Voilà, bah écoutez, je suis en train de réfléchir. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cet épisode vous aura plu. Merci encore pour votre soutien, pour le nombre de personnes qui sont sur la chaîne, qui suivent les vlogs chaque semaine. Ça fait plaisir, j'espère que ça continuera de vous plaire. Voilà, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.